Je vous propose peut-être de démarrer. Hein? Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'animer ce webinaire et je remercie chaleureusement les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de l'organiser dans le cadre de ce très bel événement que nous vivons depuis une semaine. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous. Qu'ils viennent. Merci beaucoup d'être là pour venir discuter et échanger avec nous. Donc, je m'appelle Stéphanie Léronas. Je travaille en tant que chargée de recherche sur les communs à l'Agence française de développement. L'AFD, juste en quelques mots, est un établissement public qui met en œuvre la politique de développement du gouvernement français. Elle intervient en tant que bailleur de fonds dans de nombreux pays et sur de nombreux secteurs. Et en fait, elle a eu la particularité en 2018 de définir un nouveau plan d'orientation stratégique. Et ce plan d'orientation stratégique a été développé autour d'une devise qui est pour un monde en commun. Donc, évidemment, ça nous interpelle et ça nous concerne très directement dans le cadre de cette conférence. La question qui se pose alors, lorsqu'un bailleur de fonds met autant en avant les communs, c'est de savoir quel est le rôle qu'il va pouvoir jouer par rapport à ces communs. Est-ce qu'un bailleur de fonds, qui est un acteur très exogène des terrains sur lesquels il intervient, a la capacité d'identifier les communs qui existent déjà sur les territoires, les dynamiques de communs, dans une logique de ne pas nuire? Il y a même un deuxième niveau de questionnement qui est dans quelle mesure un bailleur de fonds avec ses partenaires, qui sont souvent des partenaires publics, locaux, a la possibilité de créer les conditions d'émergence de nouveaux communs. Donc, lorsqu'on a appris l'organisation de cette conférence, il nous a semblé être une opportunité réelle pour se questionner sur dans quelle mesure les pouvoirs publics peuvent construire et accompagner des approches de commun. Donc, on va s'intéresser dans le cadre de ce panel à la manière dont les communs, ou du moins des dynamiques relevant de communs, peuvent s'articuler, voire s'hybrider avec des régulations et des actions publiques. On abordera la question des communs plutôt comme un cadre conceptuel qui va nous permettre de réfléchir l'implication des communautés d'usagers de manière affirmée et de manière également de repenser l'action publique. Donc, on a la chance là d'avoir sur ce panel des profils extrêmement variés avec des approches très différentes et qui vont permettre de mettre en regard des secteurs également très différents. Donc, je les remercie chaleureusement d'être là. Donc, nous aurons d'abord une présentation par Sigrid Huber de l'unité de recherche Green du CIRAD. Sigrid repartira de la question de la gestion communautaire, cette gestion communautaire que l'on connaît bien pour avoir été extrêmement poussée dans les années 90, puis fortement décriée, puisque mettait fortement en avant le côté très descendant de cette approche. Et donc, Sigrid, en partant du cas des associations de pêche locales à Madagascar, va réinterroger cette gestion communautaire qui a été mise en place à l'aune des communs et voir comment on peut renouveler l'approche. Puis, nous aurons une intervention de Stéphane Baudet, qui est consultant à Nomadeis, qui lui va nous permettre d'aborder un autre secteur, qui est la question de l'accès à l'énergie. Là, la question qui va être posée, c'est plutôt comment, du fait de l'intervention de l'État, les communs peuvent investir des secteurs qui n'investissent pas spontanément, traditionnellement. Donc là, on va se retrouver dans des contextes plus de délégation de services publics et on verra quelles sont les modalités et les conditions pour qu'on ait réellement des dynamiques de commun dans le cadre de délégation de services publics à des communautés d'usagers. Et on aura ensuite une troisième présentation faite par Émile Baudet, qui est doctorante en littérature comparée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3,
travers la culture et la fiction. Donc, la question qu'on se posera, c'est qu'est-ce que certaines œuvres de littérature nous disent sur l'imaginaire à l'œuvre concernant le rôle de l'État, et de manière très pragmatique, comment l'État permet de créer un secteur de la culture avec des politiques publiques qui recréent du commun. Donc, je remercie encore une fois nos trois panélistes. Donc, ce que je suggère, c'est que de fonctionner de la manière suivante. Chaque panéliste interviendra sur une dizaine de minutes maximum avec des présentations PowerPoint. Voilà, là, vous devez les voir à l'ombre. Excusez-moi. Voilà, s'afficher nos trois panélistes. Donc, une dizaine de minutes et ensuite, je donnerai la parole à tous ceux qui nous écoutent, pardon, pour poser des questions à chacun des panélistes. Donc, on prendra 5 à 10 minutes après chaque présentation pour poser des questions aux panélistes qui viennent intervenir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil écrit, qui est une des fonctionnalités formidables de Zoom et que je suivrai avec intérêt pendant la présentation de chacun. Voilà, je vous remercie encore à tous d'être là et je passe la parole à Sigrid. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Cette présentation, donc, c'est moi qui vous parle. Je suis chercheure au CIRAD, anthropologue du droit. Mais ceci est bien entendu le fruit d'une recherche qu'on a conduite à plusieurs, et notamment avec Juliano Rami Lamanan, qui est un agent du GRET qui est sur place à Madagascar, à Mananara-Nord, et donc avec lequel j'ai l'honneur de travailler. Donc cette présentation est une présentation commune, même si là il y a juste une voix qui va vous la présenter. Donc l'objet de cette présentation est d'apprécier comment l'organisation de la pêcherie communautaire dans la réserve de biosphère de Mananara-Nord à Madagascar peut être vivifiée sous le prisme des communs. Donc la baie d'Antongil, c'est une grande baie qui se situe au nord-est de Madagascar. Et donc au sud de cette baie, il y a une réserve de biosphère qui est la réserve de biosphère de Mananara-Nord. Et donc dans cette réserve de biosphère, à partir de 2009, il y a eu la mise en place de pêcheries communautaires. Donc ça fait maintenant bien plus de 10 ans, quoi. Et ces pêcheries se trouvent aujourd'hui donc confrontées à de nouveaux contextes qui les conduisent à se réactualiser dans leur forme, leur fonctionnement et leur relation avec les autorités publiques. Et donc, c'est dans cette perspective que l'approche par les communs constitue un cadre conceptuel pour penser et donc structurer l'implication des communautés locales de manière plus affirmée dans une alternative entre le tout privé et la gestion par l'État. Donc, comme l'a dit Stéphanie en introduction, l'idée, c'est de s'appuyer sur la gestion communautaire. Une gestion communautaire qui date de plus de 10 ans et qui maintenant est relue sous le prisme des communs, donc de la dynamique des communs, du faire commun. Donc un rapide historique d'abord pour remettre tout ça bien en place. C'est toujours la diaporama. Merci. Donc pour mettre en place les pêcheries communautaires, on s'est appuyé en 2009 sur une ordonnance qui datait de 1993 et surtout sur une loi locale, la loi Gélos, qui initie le transfert de gestion à Madagascar et qui date de 1996. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de décret d'application de cette loi. Donc, en fait, ce sont les opérateurs du développement, à savoir ici WCS, qui ont mis en place toute une stratégie pour pouvoir initier la gestion communautaire des pêcheries. Et à ce moment-là, c'est toujours un peu le cas maintenant, parce que la région est très, très enclavée, eh bien, l'État n'est pas très, très présent à Mananara-Nord. Donc, VCS a initié avec la population locale un cadre complètement novateur qui, en fait, a fait des petits. Et au fur et à mesure, ce cadre a été reconnu par le plan d'aménagement global de la baie d'Antongil, et ensuite même reconnu dans le cadre du Code de la pêche et de l'aquaculture qui a été élaboré en 2015. Et aujourd'hui, donc, eh bien, on continue à promouvoir la gestion communautaire à Madagascar sous l'œil très attentif du ministère des Pêches et de l'Aquaculture, qui prend un peu comme exemple ce qui se passe sur ce terrain.
Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc la gestion communautaire, on peut dire que c'est un commun, mais seulement c'est un commun. Un commun, ça n'est pas, ça devient, c'est toujours en devenir. Donc après 10 ans d'existence et pendant toute cette continuité, eh bien, l'enjeu, c'est de réactualiser les règles qui font commun, donc les règles internes à la communauté, mais aussi les règles qui vont régir ses relations avec l'extérieur. Et donc, au cours de cette histoire d'une dizaine d'années, eh bien, on voit de nombreux conflits d'intérêts qui ont existé au travers de tout ce chapelet d'aires de gestion communautaire, de pêche. Et donc, on a vu notamment au sein des villages certains notables qui se sont accaparés des ressources, qui les ont conservés de manière presque exclusive pour eux. Et ceci a donné lieu dans plusieurs villages à une réelle contestation sociale. Les gens n'étaient absolument pas d'accord avec cet état de fait et ils ont dû se révolter. Et donc, pour ce faire, ils ont dû s'appuyer sur les autorités locales, que celles-ci soient coutumières, que celles-ci soient les chefs de Fukuntan, de quartier, même parfois sur des maires et aussi parfois sur les opérateurs du développement, parce qu'il s'est agi à chaque fois de renouveler la structure de gestion pour lui donner une forme qui soit plus propice à promouvoir les solidarités sociales au sein du village, parce que c'était ça que les gens souhaitaient valoriser. Et donc pour eux, la pêche, ce n'est pas seulement une activité, c'est aussi une activité professionnelle, c'est aussi un moyen de pouvoir faire face aux nombreux aléas de la vie. Il y a eu d'autres types de conflits, ce sont les conflits qui s'établissent entre les communautés villageoises elles-mêmes. Parce que pour les gens de Mananara Nord, la mer et ses ressources, c'est Zanar qui l'a créé, c'est Dieu, et celle-ci, elle est accessible à tous. Donc dans leur esprit, il n'est pas question de réserver une aire de pêche exclusivement aux villageois qui sont sur le littoral en face de cette zone de pêche. Et naturellement, il y a diverses personnes qui viennent pêcher, qui viennent des communautés villageoises environnantes. Et là, on se trouve face à une surexploitation de la ressource et on se retrouve souvent avec des personnes qui viennent d'autres villages qui sont très, très pauvres et qui vont louer et leur pirogue et leur filet pour finalement attraper plein de petits alevins, là, ce qui entrave complètement la reproduction de la ressource. Donc, face à ça, et malgré le règlement de la communauté, le règlement écrit qui a été mis en place par l'ONG au départ, lors de la fondation de la gestion communautaire, eh bien c'est plutôt une médiation qui va se mettre en place, parce qu'un enjeu fort, c'est la perpétuité, le renouvellement du lien social. Tout comme la conservation de la ressource, parce qu'il est très important pour l'ensemble des personnes vivant sur le littoral de pouvoir continuer à accéder à cette ressource, et donc de faire respecter les interdits notamment. Mais ils ne vont pas donner des amendes aux délinquants, ils vont plutôt privilégier le fait de leur faire contribuer à des intérêts communs tels le reboisement des mangroves. Un troisième type de conflit qu'on voit se présenter, et qui celui-ci est nettement plus profond, mais beaucoup moins visible, c'est le conflit qu'il y a en fait entre les communautés villageoises et la puissance publique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce conflit latent là et comment est-ce qu'on l'exprime ? Eh bien, on l'exprime sur le fait que la gestion proposée par l'État, en fait, elle ne s'inscrit pas vraiment dans la réalité locale telle qu'elle est vécue par les villageois. Parce que à Mananara Nord, tout le monde n'est pas pêcheur, mais en même temps, tout le monde est potentiellement pêcheur à un moment de son existence, quand il va rencontrer certains aléas de la vie et qu'il va devoir se retourner vers la mer pour pouvoir survivre. Et malgré cette dynamique-là, en fait, l'objectif de l'État, au travers de l'appui de certains projets de développement, ça va être de professionnaliser les pêcheurs au travers des associations de pêche, et donc de mettre en place tout un système d'immatriculation des bateaux, de délivrance de cartes de pêche, de contrôle de l'évolution des poissons pour pouvoir mettre en place des quotas, etc. Et l'ensemble de ce dispositif, en fait, malgré 10 ans, a beaucoup de mal à se mettre en place, même s'il est toujours beaucoup appuyé par les bailleurs de fonds. Et donc, à la lecture des nouvelles solidarités sociales et écologiques qu'on voit qui naissent et qui vivent autour de ces pêcheries, ce que l'approche par les communs nous a suggéré de promouvoir,
eh bien, c'est de promouvoir la petite pêche bien plus que la pêche traditionnelle. Parce que la petite pêche, c'est quelque chose, c'est une notion qui existe dans le code de la pêche et c'est pourtant pas celle qui est promue par l'État et les opérateurs et les bailleurs de fonds qui investissent largement pour promouvoir la gestion durable des pêcheries. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur cette petite pêche pour pouvoir, avec les populations, faire valoir son existence et permettre à cette population donc, de s'appuyer sur cette notion de petite pêche pour ne pas aller vers une toute professionnalisation des associations de pêche, mais plutôt leur accorder un rôle social, celui de contribuer à la vie du village, à sa régulation, aux aléas de la vie, et donc de pouvoir porter cette idée-là au-delà du contrôle général qui est imposé de plus en plus par l'État au travers de différents projets de développement. Donc tout ça, ça a permis de mettre en exergue des dynamiques locales déterminantes du comportement des habitants des villages côtiers, tout en identifiant donc dans le droit de l'État la portée de la catégorie oubliée de pêcheurs de subsistance. Mais cette perspective-là, elle applique en fait une réelle entrée en politique des communautés locales, parce que ce sont elles qui, comme elles l'ont déjà fait pour s'opposer à l'accaparement des ressources communes par certains notables, devront se mobiliser pour contraindre l'État et les bailleurs à changer de stratégie pour mieux prendre en considération les solidarités sociales et écologiques qui se sont tissées au cours du temps entre les habitants des villages côtiers de Mananara-Nord. Donc les diapos qui suivent, en fait, ce sont juste des références bibliographiques que Juliano et moi avons compilées pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin si vous le souhaitez. Mais en tout cas, là, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sigrid. Alors, je tiens à préciser que les cafouillages au niveau du passage des diapos est de mon entière responsabilité, parce que je viens de me rendre compte que les diapositives étaient minutées, donc elles passent toutes seules au stade d'après, et donc j'ai un contrôle limité, donc je vous prie de m'excuser, je m'excuse auprès des panélistes et de tous ceux qui nous écoutent. Alors, je vois pas de questions dans le fil des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre sur le fil. Moi, j'en ai peut-être une, en tout cas, pour Sigrid. C'est, tu termines donc ta présentation sur le fait que les bailleurs peuvent promouvoir une nouvelle approche, peuvent avoir une nouvelle posture. Quels seraient un peu les déterminants de cette nouvelle posture en quelques mots? Qu'est-ce qui pourrait être attendu des pouvoirs publics et des bailleurs en termes de posture vis-à-vis de ce type de problématique? Eh bien, très rapidement, on a déjà beaucoup travaillé sur ce type de questions et donc on a essayé de mettre en place un cadre directeur pour les bailleurs de fonds au travers de 6 principes directeurs que vous pouvez toujours aller consulter sur le site du Comité foncier technique et développement, les défis et les opportunités d'une approche par les communs tissée autour de la terre et des ressources qu'elle porte. Vous pouvez aussi aller voir, pour information, je fais un peu de publicité, une autre session spécifiquement dédiée aux communs de la terre et des ressources qu'elle porte, qui fait également partie de cet ensemble de conférences qui est virtuelle. Et pour répondre plus directement à ta question, puisque j'ai pris beaucoup de temps, eh bien, je vais avancer 2 éléments majeurs. Et il me semble que la première chose, c'est déjà de prendre son temps pour mettre en œuvre les projets et surtout de leur accorder de la souplesse nécessaire pour pouvoir s'appuyer réellement sur les solidarités sociales et les solidarités écologiques qui se voient, qui se constatent et qui se vivent au niveau du terrain. Parce que les communs, c'est faire commun, et en fait, ces solidarités sociales et ces solidarités écologiques, eh bien, elles existent entre la terre et la mer, entre les pêcheurs et les ressources, et entre les gens du village et ceux des autres villages, etc. Donc, partir de l'existant, c'est déjà quelque chose qui me paraît vraiment essentiel,
sachant que cet existant évolue sans cesse et que donc il est nécessaire de réactualiser nos approches et de faire des points réguliers pour pouvoir voir comment les choses évoluent et comment ces solidarités peuvent se renforcer. Et le deuxième point qui me semble vraiment très, 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 très important, c'est de travailler sur des systèmes d'information qui permettent aux usagers des ressources eux-mêmes de suivre l'évolution de leurs ressources et de suivre l'évolution de l'impact de leur prélèvement sur les ressources, par exemple, ou bien de la mise en place de restrictions de pêche. Parce que souvent, en fait, on a tendance à vouloir peut-être faire trop et à s'appuyer sur une démarche scientifique qui est longue, qui est complexe et qui, in fine, n'est pas appropriée par les populations. Et donc, elles ne disposent pas réellement des indicateurs qui leur permettent de prendre leurs décisions en conscience pour promouvoir le projet de société qu'elles entendent promouvoir dans une perspective de durabilité. Merci Sigrid. On a aussi une remarque très pertinente concernant une. Je serai incapable de dire les noms, mais en tout cas la personne se reconnaîtra. Comme quoi elle se retrouve complètement dans ta présentation et qui fait la remarque comme quoi la gestion s'appuie sur un héritage des normes coutumières long de la période précoloniale. Et que les pouvoirs publics et les ONG ont eu la clairvoyance de codifier à travers des normes officielles qui a pour conséquence d'entretenir des conflits de représentation. Là, je pense, Sigrid, que tu as beaucoup de choses à nous dire sur le sujet, mais en quelques minutes, j'imagine que tu t'approuves pleinement aussi. En quelques minutes, c'est vrai que quand on développe l'approche par les communs, en fait, on va vraiment s'appuyer sur la dynamique du droit. Et effectivement, dès qu'on a des normes écrites qui rentrent dans le droit positif, ça fige les choses. Et pourtant, les communs, comme je l'ai dit au départ, c'est en mouvement, c'est une dynamique permanente. Donc, l'enjeu, c'est, à mon sens, peut-être moins de codifier, mais de poser le cadre qui puisse permettre une réactualisation permanente de la règle. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on s'appuie beaucoup en droit sur la valorisation des usages. Parce que les usages, en fait, c'est une source de droit, une source de droit positif dans tous les ordres juridiques de la planète. Et c'est une source de droit qui est dynamique, en fait. Et donc, qui permet de se référer aux pratiques. Parce que les usages, ce sont des pratiques qui sont constantes, qui sont légitimes, qui sont répétées et qui s'inscrivent dans la régulation sociale. Donc, c'est une voie, je pense, qu'il est important de promouvoir partout où on veut valoriser le faire commun. Y compris, là, en France, nous travaillons dans les Pyrénées avec des gestionnaires d'estives et des éleveurs extensifs. Eh bien, là encore, cette force des usages, elle est importante à faire valoir. Bon, la chose, c'est que nécessairement, ça nécessite une entrée en politique des acteurs parce qu'ils vont devoir défendre leurs usages parce que ce n'est pas le droit lui-même qui, posé, va permettre de défendre l'usage. Il va toujours falloir un processus de discussion et de remise à jour des relations, notamment à l'intérieur de la communauté, mais également avec l'extérieur, pour pouvoir identifier le chemin à suivre et à faire valoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense que oui, en tout cas. Merci beaucoup, Sigrid. Je vous propose de passer à la présentation de Stéphane pour laisser à nos intervenants le temps d'intervenir. De toute façon, on prendra à la fin encore un temps si vous avez d'autres questions à poser à Sigrid. Et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de lancer un sujet sur le forum ou de contacter directement en ligne les intervenants. Stéphane, je te passe la parole donc sur la question de l'accès à l'énergie et les communs. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Tout le monde m'entend bien? Donc là, je vais vous présenter les résultats d'un travail qu'on a réalisé avec Stéphanie Léronas, de l'AFD, Jérémy Casque, de l'AFD, sur l'approche par les communs dans les projets d'accès à l'énergie. Donc, cette fois-ci, sur des communs qui ne concernent pas des communs de subsistance traditionnels, mais des nouvelles ressources
créés de façon technique. Aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard de personnes, essentiellement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud, qui n'ont pas accès à l'électricité. Presque 3 fois plus qu'ils cuisinent en utilisant la biomasse de façon traditionnelle. Il y a des acteurs publics, privés ou de la société civile qui aujourd'hui développent des solutions d'accès à l'énergie qui mettent en œuvre les principes des communs, soit de manière intentionnelle, soit sans le savoir. Et voilà, c'est les caractéristiques clés des différents projets qu'on a pu observer, sont que c'est bien les usagers du service électrique et pas seulement les autorités publiques ou la commune qui viennent jouer un rôle actif, qui est explicite et qui est structuré. Alors, tout de suite, je vais vous donner un exemple dans la diapo suivante avec le projet Rivière à Madagascar, qui est un projet de mini-réseau qui s'appuie sur des petites centrales hydroélectriques. Donc ici, vous voyez que le délégataire qui met en œuvre le service électrique, s'inscrit dans un cadre de régulation avec un office de régulation de l'électricité qui vient valider le cahier des charges, valider les tarifs, une agence pour le développement de l'électrification rurale qui sélectionne le délégataire et qui exerce un contrôle, une commune qui surveille le fonctionnement du service, mais aussi une association des usagers qui a un rôle explicité de médiation, qui vient faire l'interface avec les différents types d'usagers et qui est en capacité de saisir les autorités nationales, donc l'agence pour le développement de l'électrification rurale, en cas de problème. On peut passer à la suivante. Donc, l'approche par les communs, aujourd'hui, dans l'accès à l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de permettre aux utilisateurs et à la communauté d'influer sur les choix opérationnels, donc vraiment sur la technique, l'opérationnalité du réseau, sur les schémas financiers, les tarifs, etc., et aussi sur la gouvernance du système en étant partie prenante. C'est aussi prévoir, donc, comme le disait Cyril, de la souplesse qui permette de s'adapter à l'évolution des relations dans la communauté, de ses besoins, mais aussi de sa montée en compétence face à cet objet technique qui est le système électrique. Pourquoi adopter une approche par les communs sur ces sujets d'électricité ? Parce que ça permet de répondre à 3 problèmes clés. Le premier problème, c'est la question de l'appropriation des projets par la communauté locale, qui est une condition clé du succès de tous ces projets d'accès à l'énergie. Le deuxième, c'est d'assurer un bon entretien des installations, ce qui peut être difficile quand la communauté n'a pas un bon degré d'appropriation et de technicité, et quand l'opérateur est à distance, quand le réseau n'est pas quelque part le réseau de la communauté, le réseau d'un autre opérateur. Et enfin, limiter les fraudes et les impayés, et prévenir et gérer les éventuels conflits. Ce qu'on a vu en observant toute une série de projets, c'est qu'en fait, l'engagement de la communauté dans les projets, il est assez large. Il peut intervenir dans l'identification des sites, dans la sélection du délégataire, dans le suivi du fonctionnement du service, dans l'interface entre délégataire et usager, dans le recueil de suggestions, pour dire comment est-ce que le service devrait pouvoir évoluer, et aussi dans la résolution des conflits, la saisine d'autorité, la facturation, le recouvrement des paiements, etc. Donc, on a pu observer un certain nombre d'avantages à ces approches par les communs, mais aussi des contraintes. Alors, dans les avantages, une meilleure adéquation aux besoins locaux, on peut vraiment mapper finement, une sécurisation de l'appropriation du projet par la communauté, une facilitation aussi de l'engagement des femmes et des minorités, un encouragement des contributions des usagers en numéraire ou en nature, une mobilisation des structures sociales, comme le CIPRIL également, la prévention des conflits et la résolution, la collecte des redevances qui est facilitée, une meilleure transparence aussi, puisque la communauté a directement accès à l'intérieur de la gouvernance technique, économique, politique du système, donc qui n'est plus une boîte noire. Un équilibre facilité aussi entre les différents types d'utilisateurs, les ménages, les utilisateurs professionnels, une réduction des coûts d'entretien quand la communauté est directement engagée dans l'entretien du système, un équilibre facilité entre différents objectifs, puisque là, en s'adaptant aux enjeux locaux, on va pouvoir non seulement faire de l'accès à l'énergie, mais aussi faire de la lutte contre la pauvreté, promouvoir l'égalité des genres, etc. Ça permet aussi une montée en compétence de la communauté et ça renforce le lien social. Les contraintes, c'est aussi, comme ce qu'on voyait dans les pêches, le temps, du temps, de la souplesse qui est nécessaire,
une innovation qui est parfois nécessaire sur les aspects juridiques pour pouvoir permettre l'engagement des usagers directement dans le système. Une définition fine et bien délimitée des rôles, des responsabilités des acteurs. Une vraie volonté de la communauté de se structurer et de s'engager. Donc, ça demande déjà un certain capital social. Une souplesse dans le modèle technique, dans les conditions tarifaires, dans le modèle économique. Le fait de pouvoir avoir un accompagnement, non seulement au début, mais sur le long cours, un accompagnement humain, un accompagnement technique, un accompagnement technologique, économique, pardon. Et puis, prévenir aussi l'accaparement par des acteurs qui seraient en position de force, une captation du système par les équipes locales. On peut passer à la suivante. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une notion qui est assez importante dans ces projets d'accès à l'énergie, c'est la notion de plateforme locale de gestion qui a trois composantes, un opérateur technique, qui peut être une coopérative, un artisan, une entreprise, des représentants des autorités en tant qu'autorité délégante, mais aussi en tant qu'autorité qui permet de financer certains services ou qui opère une taxation d'énergie pour certains services, par exemple l'éclairage public, et enfin et surtout des représentants des utilisateurs finaux de l'électricité. Avec deux points d'attention, bien permettre d'assurer la représentation des segments sous-représentés, donc les minorités, les ménages pauvres, les femmes, et puis pour les mini-réseaux en particulier, prendre en compte les différents types d'utilisateurs, hein, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'utilisateur de référence, celui qui a une grosse consommation qui est assez stable dans le temps, par exemple un dispensaire, une antenne de téléphone mobile, etc. Les consommateurs professionnels, les artisans qui peuvent utiliser l'électricité pour produire, et enfin les ménages. Alors ce qu'on voit aussi, on peut passer à la suivante, c'est que là-dedans, la condition du succès, c'est de réussir le couplage entre le commun, la régulation publique et la sphère marchande. Parce que ces communs-là, de l'électricité, de l'énergie, ils viennent s'inscrire dans un cadre juridique et réglementaire donné, dans des normes techniques qui forment la loi électrique, la loi de la ressource. Donc, il y a vraiment une importance clé là, de l'accompagnement technique et méthodologique. Et enfin, le fait qu'on est dans un service public avec une délégation de service public, donc une délégation d'une autorité gestionnaire vers un délégataire. On voit qu'il y a une diversité de situations, mais il y a trois grands modèles d'organisation qu'on a pu différencier. Premièrement, celui qui se rapproche le plus du commun de subsistance, qui est le comité collectif de gestion, le comité d'usagers, où là, c'est vraiment la communauté qui met en œuvre un système énergétique avec un artisan local, qui est suivi de très près par la communauté des utilisateurs, et un investissement initial qui est assuré essentiellement par des sources externes, avec éventuellement une contribution de la communauté en nature ou en numéraire. Le petit opérateur d'énergie, qui est un peu intermédiaire, là c'est un artisan qui est un opérateur qui a une capacité de financement, et qui finance le système avec une source extérieure. Et enfin, la société de services délocalisés. Donc ça se rapproche plus des délégations de services publics telles qu'on les connaît de manière classique, mais tout de même avec une implication des membres de la communauté dans le suivi des opérations, de la mise en œuvre du système, de la politique tarifaire, etc., avec une entreprise qui est responsable de l'installation et qui vient assurer l'essentiel de l'investissement avec éventuellement une subvention. Alors ici, pourquoi est-ce que l'entreprise se compliquerait la vie à faire avoir une approche par les communs? Bien parce que ça lui permet de faire des économies, notamment quand il s'agit d'aller apporter l'énergie à des endroits relativement distants. C'est plus facile à gérer avec une structure de gestion locale et implantée dans la communauté qu'avec une gestion très très à distance. Voilà. Alors, on a aussi pu aborder dans ce policy paper la question de l'énergie biomasse avec des initiatives assez diverses dont la gestion forestière, le paiement pour services écosystémiques, même les monnaies locales pour dynamiser l'usage de biomasse locale. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il faut un engagement bien sûr actif des communautés locales et non pas des seules autorités dans la gouvernance, ce qui permet une meilleure appropriation des règles de soutenabilité d'utilisation de la ressource et des droits et aussi des obligations qui sont liées à celle-ci, et aussi un engagement des communautés dans la création des règles. Cet engagement, en fait, il correspond à une régulation à deux niveaux.
Ce n'est pas un désengagement des autorités locales, mais c'est des autorités locales qui viennent déléguer à la communauté locale un pouvoir de régulation tout en contrôlant que ce pouvoir de régulation est effectivement exercé et est correctement exercé, plutôt que d'exercer directement elle-même le pouvoir de régulation en tant qu'autorité nationale. Le développement d'approches par les communs, on l'a vu dans ces projets, va nécessiter que les principes de gestion durable soient conçus avec les usagers et pas appliqués d'en haut, qu'il y ait un système de sanctions graduées qui soit suffisamment dissuasif, mais aussi suffisamment gradué, et enfin des cadres réglementaires qui permettent des marges d'adaptation locale. En termes de recommandations, maintenant, on peut passer à la suivante. Voilà. Donc pour les décideurs publics, eh bien, le fait d'avoir des cadres qui soient suffisamment souples pour permettre à différents modèles de s'appliquer selon les situations, avoir des modalités de contractualisation avec les représentants des usagers dans les délégations de services publics, et enfin avoir donc un degré de subsidiarité dans les cadres de régulation. Donc c'est cette régulation à deux niveaux dont je venais de parler. Et pour les acteurs qui œuvrent dans les programmes d'accès à l'énergie, bien sûr, l'implication des communautés locales, la conception de modèles organisationnels ad hoc, ça prend du temps, il faut que chaque communauté est différente et va nécessiter d'avoir un modèle adapté. Les possibilités aussi d'élaborer des règles ad hoc du système d'utilisation, de gestion du système local d'énergie par les usagers et les futurs usagers. Et enfin, et surtout, le maintien d'une forme de soutien technique, économique et humain dans la durée sans lesquelles ces communs peuvent s'écrouler quand ils n'atteignent pas une maturité suffisante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. En attendant que l'audience pose une question, là on est sur un cas assez différent de ce qu'on traite en général dans ces conférences sur les communs, puisqu'on n'est pas à la recherche de communs endogènes, créé par le bas, etc. Mais se pose vraiment la question de est-ce qu'on peut créer du commun avec une impulsion par le haut et quelles sont les conditions pour que finalement il y ait réellement du commun. Et là, on voit bien, hein, c'est tout un travail très pragmatique qui a été effectué en se disant voilà les contraintes d'un bailleur. Et comment on ouvre un espace institutionnel pour qu'il y ait des dynamiques de communs qui ne sont pas des communs purs, on est tous bien d'accord là-dessus, on est quand même dans la délégation de services publics, donc avec des choses qui contractuellement peuvent être assez contraignantes, mais comment on peut quand même intégrer des dynamiques de communs dans ce cadre-là. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler, si vous en êtes d'accord, un peu des communs administrés, c'est épouvantable comme terme. Et c'est l'idée d'une délégation de responsabilité de l'action du public vers des communs. Oui, Stéphane, je te laisse réagir par rapport à ça. Oui, alors sur la question des communs administrés, en fait, on peut voir aussi ce genre de choses, y compris sur les communs de subsistance. Hein. J'ai en mémoire une étude de la FAO qui montrait qu'à, par exemple, à Saint-Domingue, il y avait une délégation de pouvoir de police des autorités vers les prud'homories de pêcheurs, avec une vraie double casquette de certains pêcheurs qui avaient vraiment été policiers aussi de la pêche. L'approche peut s'appliquer à tout type d'énergie électrique, oui, et même à tout type d'énergie tout court, puisqu'on a des projets aussi de gestion durable de la biomasse forestière qui s'appuie sur les communs. Et tout type d'énergie électrique, on s'est focalisé beaucoup sur les systèmes décentralisés, mais ça peut aussi fonctionner, on l'a vu par exemple au Bangladesh, avec les coopératives rurales d'électricité au Bangladesh, sur des projets d'extension du réseau électrique national, qui au Bangladesh a une vraie dimension de commun dans ces coopératives. Alors, quelle perspective pour le solaire? En fait, là, ça peut aussi être une manière de mettre en place, et d'ailleurs, on voit des kiosques solaires, hein, puisque beaucoup de ces projets sont des projets soit solaires, soit hydroélectriques. On peut même avoir des projets de commun sur des ressources type moteur diesel, mais là, c'est sur des renouvelables qu'on a mené nos
nos investigations. Et donc, pour le solaire, vous avez soit des mini-réseaux alimentés par du solaire, plus éventuellement des batteries, éventuellement des ressources complémentaires. Et puis, vous avez également tous les systèmes de kiosques énergétiques qui peuvent être aussi alimentés par du solaire. En fait, ici, ce n'est pas tellement la source primaire d'énergie qui compte que la manière d'organiser le système électrique. Merci Stéphane. On a encore une dernière question qui est quel est le meilleur moyen de réussir une échelle de gouvernance entre décideurs publics, acteurs et communautés ? Donc, ça, c'est en lien avec ton articulation sur les différentes échelles de gouvernance que tu nous as présentées. Alors je sais pas exactement quel est ce que la personne voulait dire par là. Je reviens, est-ce que c'est plusieurs questions, est-ce que c'est la même personne? Oui, donc l'échelle de gouvernance, effectivement, on peut avoir une gouvernance par les communs à différentes échelles. On l'a vu notamment avec le 4-5-O au Burkina Faso, qui est une coopérative d'électricité qui a donc elle-même, dans son ADN, une dimension de commun en tant que coopérative, et qui vient faciliter la mise en place de systèmes électriques locaux, par extension de réseau cette fois-ci, sur un mode coopératif. Donc là, on a vraiment un commun à deux niveaux avec la coopérative 5O qui vient apporter, qui fait l'interface avec le niveau national et qui vient apporter aux systèmes locaux, aux communs locaux, un soutien humain, technique, organisationnel pour que ces systèmes électriques tournent bien. Et enfin, comment articuler la relation contractuelle entre les commoners, le producteur d'électricité et la puissance publique? Et bien, effectivement, vous avez une contractualisation à quatre, en fait, avec le délégataire, la puissance publique, l'association des usagers. En fait, ça vient passer par une association des usagers qui, elle, a une existence formelle, et évidemment la collectivité, la commune. Très bien, merci Stéphane. Je vous propose de garder vos autres questions pour la fin de la session, et je vais donner la parole à Emine. Alors là, on part sur une autre planète, hein, et en tout cas sur autre chose, une autre approche qui est comment mobiliser la littérature, et notamment la littérature africaine, pour comprendre des communs et leur articulation et hybridation avec le public. On va voir qu'en fait, on apprend énormément de choses à travers les livres. Emine, je te laisse la parole. Je m'occupe du PowerPoint. Merci beaucoup Stéphanie et bonsoir à toutes et à tous qui êtes présents lors de ce webinaire. Donc effectivement, pour situer un petit peu le travail dont je vais vous proposer quelques éléments maintenant, il s'agit vraiment d'une thèse donc de littérature comparée, à savoir que je travaille vraiment sur des textes littéraires à l'AFD. Donc on voit qu'une banque de développement peut s'intéresser justement à ces questions de représentation littéraire et culturelle. Parce que, comme l'a dit Stéphanie, voilà, on peut apprendre des éléments sur la manière dont des communs peuvent se manifester et s'organiser dans les communautés concernées. Alors, justement, quand on parle de communs, bon, on a vu hein, dans les présentations précédentes, on pouvait parler de ressources matérielles autour du foncier, de l'agroforesterie, bon, du transport, etc. De ressources immatérielles. On a vu ici et parfois hein, d'autres des communs de la connaissance qui peuvent se manifester par des plateformes de collaboration en ligne, par des communautés d'usage de ressources, notamment autour de réseaux de mobilité, par exemple, je pense au projet OpenStreetMap. On peut parler également des communs de la santé qui ont fait beaucoup de débats récemment. Donc voilà, tout un système de communs de la connaissance qui passe par l'immatériel. Et bien sûr, on a aussi les communs qui, donc, on vient de le voir avec la présentation de Stéphane, sur, par exemple, par l'énergie, hein, qui joue finalement sur ces deux aspects. Alors, dans ce cadre, où peut-on situer la culture et les objets culturels? Alors, effectivement, ces derniers ont pour caractéristique d'être aussi bien matériels, pensons à une œuvre graphique, une œuvre picturale, une sculpture, un textile, on peut saisir l'objet, que des objets, donc, plutôt que des ressources immatérielles.
un songeon à un morceau de musique, à une chanson populaire, un texte, un hymne, que sais-je, qui eux, évidemment, ne peuvent pas, n'existent pas hein, matériellement. Et de même, hein, ces ressources peuvent être très bien rivales. Un tableau d'un peintre célèbre tel que Van Gogh, par exemple, est unique, évidemment, et sa valeur dépend de son unicité, du fait qu'il est le seul à être de ce type-là, à exister, et ne peut avoir donc plusieurs propriétaires, ou bien d'être non rival, justement. Un poème, un chant, un conte traditionnel ne sont vivants, justement, et ne tirent leur valeur que dans la mesure où ils seront partagés et reproduits par un public large, extensible dans l'absolu à la communauté mondiale tout entière. Hein, donc on a vraiment une échelle finalement d'usage qui est bien plus large, bien plus large. Alors on peut se demander dans ce contexte si la culture est un commun et si l'État, bien sûr, peut accompagner l'émergence et le déploiement de communs culturels au sein d'un projet de société globale. Alors, le débat n'est pas récent. Et effectivement, une des premières difficultés concerne la définition de la culture. Voilà, je ne vais pas vous refaire tout le schéma aujourd'hui, mais juste quelques éléments. Au sens large, elle peut et bien sûr désigner l'ensemble des caractéristiques ethnologiques, par exemple, d'une société, incluant donc la langue, les traditions philosophiques et religieuses, les habitudes de vie, etc. Et dans un sens plus restreint, elle va désigner des œuvres, ou plutôt les objets, de ce qu'on assimile dans le vocabulaire du développement aux industries culturelles et créatives, donc à savoir des œuvres plutôt matérielles, produites par une société dans le domaine du symbolique et de l'imaginaire. Songeons à la littérature, au cinéma, à la musique, donc voilà, deux échelles donc un très, très, très distinctes. Et alors forcément, le rôle de l'État ne sera pas le même hein, selon la définition que l'on adopte. Le fait même de parler d'État, d'ailleurs, peut être questionné, hein, notamment sur le continent africain, où on sait que différentes aires culturelles, si on reprend cette problématique de l'aire culturelle, voilà, se croisent et s'entrecoupent et ne recoupent pas forcément les territoires étatiques. Alors, dans ce cas-là, quel pourrait être le rôle de l'État? Dans le contexte d'État donc dit multiculturel ou pluriculturel, le problème finalement qu'on pourrait voir, c'est que si l'État favorise le développement ou favorise en tout cas des communs au sein d'une culture, y a deux risques principaux. Le premier, ce serait de le faire de manière inégale et donc de favoriser une culture ou en tout cas une communauté plutôt qu'une autre. Et on le voit dans le cas, par exemple, de langue locale, cela pourrait poser des problèmes dans la mesure où on pourrait conduire à des situations d'inégalité linguistique, où une langue serait soutenue et popularisée par l'État au détriment des autres. Et dans ce cas-là, quelle place on laisse voilà, à ces autres cultures, à ces autres langues? Je vois qu'il y a des participants issus du Togo, notamment. Imaginons que l'État décide de favoriser l'apprentissage du kabylie plutôt que de l'évé ou du mina, que fait-on dans ces cas-là pour les communautés évé-mina? À qui, voilà, vers qui peuvent-elles se retourner pour voir leur propre culture et leurs propres objets culturels être valorisés, si ce n'est pas par l'État? Donc ça, c'est une première question. La deuxième option, ce serait donc d'imposer finalement une politique culturelle qui laisse peu de place à la créativité singulière et à l'émergence finalement de particularismes locaux, ce qui conduit à une forme d'uniformisation des pratiques et des objets culturels. Et cela, évidemment, s'articule de près à un projet politique qui rejoint de très près les projets politiques qu'on a pu connaître en sortir des indépendances, et aujourd'hui encore. Voilà, où finalement, une culture ou un système éducatif ou culturel va être uniformisé autour d'une seule, voilà, d'une seule, d'un seul élément, au détriment des autres, une nouvelle fois. Alors, pour étudier un petit peu hein, cette question, mais d'un point de vue purement littéraire, donc je vous propose de voir finalement, plutôt de répondre à cette question en prenant des exemples dans le monde de la fiction et de la littérature. Et donc, comme le dit Stéphanie, de faire un sacré pas de côté, puisque on va s'intéresser à la question des représentations justement de ces questions dans les œuvres littéraires en tant que telles. Alors, et l'hypothèse hein, finalement qui guide ce travail, c'est que les œuvres artistiques en tant que telles constituent justement des supports privilégiés pour développer des imaginaires socio-culturels qui engagent l'avenir politique d'une communauté. Et donc, au fond, la littérature nous donne à lire et à voir finalement un imaginaire social et culturel qui est particulier à une communauté.
Alors, l'exemple que je vais prendre peut être, voilà, je vais le justifier tout de suite. Hein, il s'agit de Rouge Impératrice de Eleonore Amiano, qui est un roman paru tout récemment, à la fin de l'année dernière. Et ce roman m'a paru intéressant parce que finalement, l'auteur propose une représentation du rôle que pourrait jouer un État africain vis-à-vis de communautés plurielles, notamment en matière culturelle. Alors, on pourrait trouver surprenant de choisir ce roman dans la mesure où l'auteur finalement se situe elle-même dans une logique plutôt diasporique, hein, donc plutôt internationale, qu'enracinée sur le continent en tant que tel. Mais d'une certaine manière, son implication dans la réflexion au long cours sur l'avenir postcolonial du continent et sa défense d'une manière de refonder le contrat social sur des bases culturelles non communautaristes nous ont semblé assez pertinents. Alors, que se passe-t-il dans ce roman ? Donc, le roman, donc on imagine que le continent africain a été totalement unifié. Donc, nous sommes en 2124 et ce continent s'appelle désormais Katiopa. Et Katiopa, c'est un mot en fait, qui vient de la langue Congo et qui signifie tout simplement Afrique. Donc d'emblée, hein, on comprend que le projet de l'auteur, c'est d'opérer un retour quelque part ou une revalorisation de racines, de sources culturelles qui passe par l'usage des langues qui sont parlées hein, de facto par des millions de personnes sur le continent, mais qui peuvent être le plus souvent considérées comme secondaires dans les politiques publiques. Il s'agit de l'éducation, de l'administration, au profit des langues héritées de la colonisation, telles que le français, l'anglais, le portugais. Et alors, l'ensemble du roman est parcouru de mots d'origine diverse, Congo principalement, mais pas seulement. Et la traduction de ces mots est parfois donnée dans un glossaire à la fin du roman, mais pas toujours. Ce qui plonge donc le lecteur occidental dans un monde où ces mots ne sont parfois considérés comme des étrangetés ou des choses qui créent une forme d'absence de familiarité qui peut rappeler finalement et inverser la situation dans laquelle se trouvaient justement les Africains noirs eux-mêmes lorsqu'ils ont vu quelque part leur pays être progressivement traduit dans une langue coloniale qui n'était pas la leur et vis-à-vis de laquelle ils étaient totalement étrangers. Donc on a ce même effort de défamiliarisation à l'œuvre dans le roman. Et alors, dans ce monde de Katiopa, donc l'État encore jeune est très puissant. On a un État qui est fort, mais qui est vite confronté à un problème, qui est celui du pluriculturalisme, ou en tout cas de la présence de plusieurs communautés qui, certaines, refusent en fait, de s'assimiler à la logique, la nouvelle logique nationale du jeune État. Et en particulier, hein, parmi ces communautés, il y a ce qu'on appelle les Fulazi, qui sont les descendants d'immigrés d'origine française qui sont venus habiter sur le continent africain parce que le leur, donc le continent européen ou français, devenait donc invivable à la suite d'un sinistre écologique ou économique, on ne sait pas bien. Et en fait, ils choisissent de vivre sur Katiopa dans leur petit précaré culturel, un peu dans une forme de marginalité assez radicale, qui là encore met en reflet la situation des immigrés africains aujourd'hui sur le sol européen, qui se trouvent souvent exclus, soit à la raison de langue ou de politique culturelle, qui se retrouvent même exclus. Donc là, on a une inversion encore des rapports de force. Et on voit que le risque ici, c'est de voir se développer un nouveau communautarisme qui n'a rien à voir avec les communs, parce qu'il repose sur l'exclusion et le racisme, hein, d'une part d'une communauté vis-à-vis de l'ensemble de l'État et de la nation. Donc là, on est en plein à l'inverse de ce que seraient des communs, justement. Et alors, le dilemme finalement qui se pose au chef de l'État, c'est, il faut trancher, faut-il donc exclure totalement ces étrangers, ce qui serait donc une option, là encore, de racisme et de rejet, hein, qui serait une logique finalement exclusive, qui renvoie aujourd'hui finalement à la perception des politiques européennes vis-à-vis des migrants, qui est celle de l'uniformisation. Hein. On a une communauté dont on ne sait pas quoi faire, donc on l'exclut, on uniformise. Et donc ça, c'est la première option. La deuxième option étant celle plutôt d'assimiler les étrangers, les communautés locales, dans un continent où coexisteraient différentes communautés culturelles. Et c'est justement ce choix que fait le chef de l'État, qui certes, on pourrait être qualifié d'utopique, mais en tout cas ici, on voit bien que le multiculturalisme, justement, relève d'un choix de l'État et s'avère, en fait, défendu par la majorité de la population. Et donc, pour conclure, hein, on voit ici que ce roman, quelque part, traite des questions identitaires en renversant le mythe du grand remplacement et en inversant donc, les logiques géographiques et culturelles
donc à rebours du communautarisme, en imaginant que le chef de l'État puisse justement défendre des communs locaux soutenus par l'administration, soutenus par l'État, et donc empêcher une forme d'uniformisation culturelle qui serait délétère pour les communautés elles-mêmes. Voilà, et donc on voit, une dernière phrase, que donc l'État garantit ici l'émergence de communs culturels locaux comme condition nécessaire de la cohésion culturelle à l'échelle du continent. Voilà, et donc je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Emeline. Donc, toujours en attendant les questions de ceux qui nous écoutent. Tu nous parles du mythe du grand remplacement qu'on retrouve dans cet ouvrage. Donc, c'est l'idée que finalement, les communs sont des constructions extrêmement modernes face à des enjeux qui sont extrêmement contemporains, qu'il n'y a pas une idéalisation de communs traditionnels et une envie de retour à ces communs traditionnels. C'est des choses qu'on retrouve aussi dans les travaux du comité technique aussi et développement. Cédric, tu me corrigeras si je me trompe, mais donc des communs qui ne sont pas des retours à des communautés fermées, mais au contraire des organisations très modernes face à des enjeux actuels. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est présent dans la littérature africaine de manière générale, ou est-ce que on retrouve quand même parfois cette espèce de romantisation de la période précoloniale et des communs plus, je dirais, communautaires? Oui, en fait, on trouve un petit peu les deux. On trouve les deux, et notamment tout dépend de l'histoire, ou en tout cas de la période historique à laquelle se situe la littérature. Vous avez, après, en gros, les indépendances, eu une forme de valorisation, justement, de la culture et de la tradition en général, qui a pu passer par une vision très, très romantique, justement, des traditions précoloniales. Voilà, vous avez un certain nombre de romans qui, justement, essayent de réinventer des choses dans la logique très traditionnelle où on retrouve les grandes figures du chef du village, du sage, du griot, parfois la figure du griot qui, finalement, est très centrée culturellement et localement et réservée à des usages très précis. On la voit des fois se généraliser justement à des fins très romantiques. Voilà, ça ne correspondrait pas à la réalité historique de ce qu'a été le griot vraiment dans les cultures africaines. Donc il y a eu une première phase comme ça de romantisation. Je dirais qu'aujourd'hui la littérature africaine très récente, très contemporaine, travaille justement, est consciente de cette vision et le travail et justement cherche à inventer d'autres manières de créer du commun, de faire du commun, en tenant compte des enjeux contemporains et des enjeux actuels, y compris écologiques, d'ailleurs. Comment, aujourd'hui, peut-on refonder, par exemple, des coopératives? Comment peut-on gérer des ressources qui seraient menacées par le changement climatique, sans pour autant se dire qu'on va faire comme si rien ne s'était passé, qu'il n'y avait jamais eu de colonisation, ni aucune présence étrangère? Mais qu'il y a une vraie prise en compte de ces enjeux, que ce soit en Afrique du Sud, au Sénégal également. Et ça, c'est assez frappant dans la littérature très contemporaine. Oui. Merci. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions aux trois intervenants et à moi-même, si vous souhaitez, même si je n'ai rien présenté. Peut-être, en attendant que ça arrive sur le fil de discussion, Sigrid, je pense que tu dois te retrouver quelque part, ou pas, dis-moi, dans ce que raconte Émile et ce qu'elle retrouve dans la littérature par rapport aux études d'anthropologie du droit que toi tu as, et même, je dirais, pluridisciplinaire que vous avez menée dans le cadre du comité technique foncier et développement. Oui. Mais en fait, pendant tout le discours aussi, je m'interrogeais sur comment tu appréhendes, Emeline, aussi la littérature orale, en fait. Enfin, je veux dire, dans l'approche que tu as conduite là, le support, sont des écrits enfin, comment est-ce que tu fais pour appréhender l'oralité dans le cadre de cette analyse? Alors effectivement, l'oralité, elle fait partie quelque part des ressources les plus dynamiques qu'on puisse observer aujourd'hui, donc les plus difficiles à appréhender également.
à la fois en termes de support, parce que quand même pour avoir un accès à ces littératures orales, il faut encore pouvoir au moins avoir des enregistrements ou des mises à l'écrit, ce qui est un gros paradoxe évidemment quand on parle de littérature orale. Cela dit, on voit qu'effectivement, quand on s'intéresse aux contes, par exemple, il y a des dynamiques, il y a des structures, hein, si on reprend un peu le terme, des structures de contes, on voit qu'il y a vraiment un dynamisme et des choses qui se modulent. Voilà, d'une communauté à une autre. Et vous allez retrouver peut-être la même structure narrative d'un conte qui va d'une version à une autre, même si quelque part la forme stylistiquement va évoluer. Et la langue, et pourquoi pas des fois même la fine pointe un petit peu hein, du conte peut évoluer. Donc tout le panel. Alors après, moi j'ai moins étudié la littérature orale poétique, notamment. Ce n'est pas encore mon objet d'étude. Mais c'est celle qui offre le plus de souplesse et de dynamisme en termes de recomposition des structures et du style qu'elles peuvent prendre. Parce que dans le travail qu'on conduit, pas tant en termes d'analyse antérieure, mais plutôt en termes de prospective, il y a une grosse question sur, dans le cadre de la valorisation des usages, sur comment est-ce qu'on parvient à formaliser une norme tout en lui laissant sa souplesse, donc à la traduire par écrit tout en lui laissant toute sa souplesse, et aussi comment est-ce qu'on peut l'inscrire dans un récit fondateur qui fasse sens. Et qui fasse sens dans le cadre d'un projet de société à faire valoir à l'échelle du commun, du politique, du commun mis en politique. Voilà, c'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur la structure de la langue, mais enfin, au-delà de ça, de la norme en fait, puisque je En fait, suis en langue du droit. mais souvent ces variations passent par des objets culturels précis. Enfin, on peut retrouver des objets symboliques, par exemple, là, je pense à la calebasse, le bâton, des objets qui vont être réappropriés différemment d'une communauté à une autre, justement. Même si on a la structure un peu narrative, même si l'histoire fondamentalement est la même, les objets, c'est comme si les objets, le décor, voire même les personnages eux-mêmes allaient être réappropriés différemment par les communautés. Et peut-être que ça peut rejoindre cette question de l'appropriation du droit, voilà, ou des normes en tout cas, d'un contexte à un autre. Peut-être une manière de, stylistiquement en tout cas, de le déployer d'un point de vue juridique. Puisque mon micro est ouvert, je peux me permettre de poser une question à Stéphane? Allez-y, hein, pas de soucis. Voulais juste savoir comment vous preniez en considération les solidarités écologiques dans le cadre de ces projets. Alors, par exemple, dans le cadre du projet, dans le cadre du projet Rivière dont j'ai parlé au début, en fait, je n'ai pas exposé tout le projet Rivière, mais il y a derrière ce système électrique, il y a aussi tout un système de paiement pour services écosystémiques qui lie les populations aval et les populations amont. Du système écologique pour faire diminuer, voire cesser les pratiques de brûlis. Voilà. C'est le projet Rivière à Madagascar avec le GRET, c'est ça? Oui, tout à fait. Exactement. Et donc, derrière ça, voilà, il y a une solidarité entre l'amont et l'aval qui se met en place. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que le paiement, qui semblait être l'argument premier pour que cette solidarité se fasse, en fait, il était totalement secondaire. Ce qui a intéressé le plus, parce qu'en fait, les paiements sont mal, ils sont pas assez bien dimensionnés. Et en étant assez mal dimensionnés, ils ont du mal à être couverts. Mais ça intéresse beaucoup les populations aval, qui sont des populations, enfin, amont, plutôt, qui sont des populations migrantes, d'avoir une contractualisation, d'entrer dans un dispositif formel qui est déjà une reconnaissance de leur droit à être là et à cultiver ces terres-là. Voilà, ça, c'est un exemple possible. Et ça peut rentrer comme ça dans des dispositifs, soit formalisés, soit informels. Ouais, j'ai un peu connaissance du projet Rivière aussi, et je trouve que c'est vraiment ce genre d'approche une réelle opportunité d'envisager la contractualisation, non pas seulement comme un contrat, mais comme une chaîne de contrats, en fait, qui permettent de justement renforcer le lien social, cette chaîne de contrats, parce que c'est difficile de tout mettre dans un unique contrat, même pour les paiements pour services environnementaux,
c'est compliqué, mais je trouve qu'avec l'approche par les communs, envisager une chaîne de contrats, ça permet aussi de donner la légitimité aux parties prenantes qui ne sont pas directement impliquées, ou bien alors quand la relation de cause à effet, elle n'est pas vraiment très explicite au niveau scientifique ou quand ce genre de choses. Et je trouve que ce sont de belles occasions de promouvoir des projets énergie dans ce contexte-là, et aussi de belles occasions pour, pas seulement pour les solidarités sociales, mais aussi pour les solidarités écologiques, parce que compte tenu de l'urgence climatique, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire dans ce contexte, je pense. Mais je me tais, je parle trop. Non, Sigrid, t'es parfaite, puisque t'arrives même à rebondir sur une question qui avait été posée à Stéphane sur la question des articulations et des relations contractuelles, et de relancer le débat. Donc, bravo, t'aurais dû être l'animatrice de cette session, en fait. Tu nous aurais bien aidé. Étant donné qu'on n'a pas d'autres questions qui s'affichent et qu'il est déjà 18h10 et pas abuser du temps, on va peut-être conclure. Je voulais vous évidemment remercier nos panélistes et remercier tous ceux qui nous ont écoutés. On avait posé la question en début de session de quel est le rôle d'un bailleur de fonds vis-à-vis des communs, quel est le rôle de l'action publique, etc. Moi, je retiens deux, trois petites choses là au pied levé. C'est la question de la posture, donc savoir laisser s'exprimer les différents points de vue, prendre les temps de, à la fois du bailleur, mais aussi les temps écologiques, les temps sociaux, etc. C'est prendre en compte la diversité, et notamment l'idée que les communs peuvent se structurer finalement plutôt autour d'une multitude de ressources et pas forcément sur une seule ressource qu'on a tendance à faire dans le cadre des délégations de gestion. Je retiens aussi que cette notion de commun administré, elle est compliquée, et notamment elle nécessite qu'on ait un engagement de l'État à se désengager sur le temps long. C'est pas forcément si simple, parce que là on a eu les exemples de Stéphane. Il disait bien que c'était une des conditions, mais on a des exemples sur l'irrigation, on a plein d'exemples qui montrent que c'est pas si simple d'avoir un État qui se désengage sur le temps long pour laisser le temps de la structuration de communs et de la construction de leur propre résilience. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est le temps long, ce qui va complètement à l'encontre du fonctionnement d'un bailleur de fonds qui lui est beaucoup plus sur le temps court, qui est sur les résultats, sur des indicateurs chiffrés, etc. Donc, l'approche par les communs, je pense, est extrêmement porteuse pour un bailleur pour réinterroger sa manière de travailler. Je ne pense pas qu'un bailleur comme l'AFD, même s'il a mis les communs au centre de son mot d'ordre, de son motto, va faire une révolution complète de son mode de fonctionnement. En revanche, ce qu'on voit, c'est que, a priori, l'AFD est capable d'ouvrir certains espaces pour qu'on ait des approches par les communs qui puissent être mises en œuvre. Et je pense que les trois personnes qui sont intervenues à ce panel montrent qu'il y a quand même une volonté de faire des choses. Maintenant, la concrétisation n'est pas encore complète. Mais on y travaille. Stéphane, sur des aspects opérationnels, dialogue de politique publique. Sigrid, elle ne l'a pas dit, mais elle travaille aussi avec l'AFD pour des guides opérationnels. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, on peut espérer que, effectivement, les bailleurs ne seront pas uniquement nuisibles aux communs, mais pourront être un atout aussi pour les communs de demain. Voilà, je voulais terminer sur ce message d'espoir. Et de bonne humeur, et puis vous rappeler que le prochain temps fort de cette conférence, donc c'est mercredi, pour l'événement réseautage. Donc je fais un peu de publicité, n'hésitez pas à vous inscrire, et ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Un grand merci, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous tous. Merci.
C'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.